une news, une vidéo. C'est les brèves avec Jiba. Bienvenue dans ce numéro 1 des brèves de Jiba. On commence avec Fate Reforged ou le Destin Forgé. Les premières cartes sont sorties. On a un énorme dragon esprit Ugin, le dragon du gain. Il est très fort, il coûte 8 mana et forcément pour ce prix-là, on a un dragon incolore avec plein de capacités. Il est incolore, il est dans un bloc qui parle d'Eldrazi, donc on verra peut-être des Eldrazi, on ne sait pas encore. On a des nouvelles capacités aussi, donc il y en a 3 dans chaque set. Ici, nous avons Manifesté qui permet de prendre la carte du dessus de votre bibliothèque, de la mettre face cachée en tank 2-2 sur le champ de bataille. Et du coup, elle peut se retourner pour son coup de mana. Et on a Bolster, je ne vois pas encore le nom en français, qui permet de mettre des compteurs sur la créature la plus faible en endurance que vous avez sur votre champ de bataille. Donc là par exemple, Honor's Reward elle fait gagner 4 points de vie et met 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur la créature avec la plus faible endurance sur le champ de bataille. Il y a aussi pas mal de cartes, a priori, en tout cas là il y en a déjà 3 sur cet écran, qui permettent de choisir entre deux choix. On a par exemple le Valorous Stance qui permet de soit donner indestructible à une créature, soit détruire une créature avec une endurance de 4+. On a détruisez toutes les créatures dragons ou toutes les créatures non dragons. Et on a l'Outpost Siege qui permet de choisir entre Khans et dragons. Et selon ce que vous choisissez, ça a une capacité différente à chaque effet. On se retrouve tout de suite pour la deuxième série des cartes.